Bonsoir à tous, voici le bulletin du vendredi 29 janvier valable pour la journée du samedi sur votre animation satellite arrivée d'une perturbation soit à une dépression sur la Manche qui devrait apporter pas mal de précipitations, mais également pas mal de vent sur les régions du Nord. Confirmation pour votre vendredi matin, les averses s'installeront sur un axe allant de la Bretagne jusqu'à la Belgique en passant par le bassin parisien, le vent qui restera bien présent sous les précipitations avec des rafales qui pourront dépasser la barre des 100 km à l'heure sur la côte d'Opale. Ailleurs, ciel variable, alternance de nuages et de belles équipes Concernant les températures du matin, elles sont stationnaires 6 pour Paris jusqu'à 10 pour Marseille. Pour cet après-midi, nous allons conserver un temps venteux et pluvieux sur un axe allant du Poitou-Charente jusqu'à la Belgique en passant par le bassin parisien. Ailleurs, toujours ce temps globalement sec et assez bien ensoleillé, mais ce ne sera que temporaire puisque les précipitations gagneront ces régions plus tôt en fin de soirée. Concernant les températures de l'après-midi, elles sont toujours au-dessus des normales saisonnières 12 pour Paris, 11 pour Brest. 15 du côté de Marseille. Pour la tendance maintien d'un temps perturbé sur la moitié nord avec de fréquentes averses mais également pas mal de vent. Sur le pourtour méditerranéen nous profiterons d'un temps beaucoup plus calme avec de larges apparitions du soleil. Les températures qui resteront toujours très confortables pour un début février notamment pour mardi et puis pour jeudi et vendredi elles baisseront mais elles resteront finalement toujours au-dessus des normales saisonnières. Demain nous serons le samedi 30 janvier, nous fêterons les Martines, le soleil se lèvera à 8h24 et il se couchera à 17h45. A à demain